Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse et votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple reçoive des solutions et des directives. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus, amen. Je vais parler de la signification des habits dans le rêve. Bienvenue à votre espace d'interprétation de songes et de rêves. Lisons dans la parole de Dieu, Zacharie chapitre 3, du 1er au 3e verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Elle dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Josué, souverain sacrificateur, était couvert de vêtements sales. Beaucoup de gens se retrouvent dans leurs rêves, portant des habits sales, déchirés, vieux, ou même des habits noirs, mais ne savent pas l'explication. D'autres encore se retrouvent dans leurs rêves, en train de porter des habits neufs. Quelle est la signification des habits dans le rêve? Bien-aimés, quand nous regardons la parole de Dieu, les habits sont très significatifs. Dans la parole de Dieu, les habits représentent les œuvres d'une personne. Votre gloire, votre étoile. C'est pourquoi la Bible présente les saints vêtus de blanc, qui veut dire les bonnes œuvres, qui veut dire les symboles de la pureté et de la sainteté. Donc si les habits blancs sont les symboles de la sainteté, de la pureté, les habits noirs sont un mauvais signe. Si vous vous habillez en noir dans le rêve, ou vous voyez quelqu'un en noir, c'est le signe que vous avez besoin de la délivrance. Les bons habits dans le rêve représentent la faveur, le succès, la restauration, le progrès. Tandis que les habits sales, déchirés, vieux, représentent la souffrance, la maladie, l'échec, le blocage. Je vois Dieu te délivrer de mauvais habits dans le rêve au nom de Jésus. Parlons de l'interprétation des habits dans le rêve. Ici, nous allons voir les différentes variantes et donner les différentes interprétations. La première variante, c'est voir dans les rêves que l'on porte de nouveaux habits ou un habit neuf. Bien-aimé, c'est le signe de la bénédiction, de la prospérité et de la restauration. Cela montre que vous allez jouir de la faveur et que les bonnes choses vont vous suivre. Cela veut dire que tu vas oublier tes souffrances, ton passé. Porter des habits neufs dans le rêve, c'est un bon signe. Deuxièmement, voir dans ses rêves que l'on porte des habits blancs. C'est le signe de la pureté et de la communion avec Dieu. C'est aussi les bonnes œuvres. Quand vous voyez une personne habillée en blanc dans les rêves, ça veut dire que cette personne est en communion avec Dieu. Cette personne pratique les bonnes œuvres.
Si c'est un serviteur de Dieu, c'est un témoignage. Tandis que si vous voyez un homme de Dieu porter les habits noirs, c'est un mauvais témoignage, c'est un mauvais signe. Troisième chose, ou troisième variante, porter des habits sales, déchirés, vieux dans le rêve. Ou des habits que tu as portés il y a longtemps, mais tu te vois dans le rêve, tu portes cela. Bien-aimé, c'est un mauvais signe. Les habits sales, les habits déchirés, c'est la douleur, la malchance, les mauvaises nouvelles. Cela veut dire qu'il y a une chose terrible qui doit arriver. Tu dois te lever dans la prière et détruire ces mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Les habits vieux dans les rêves, les habits que tu as abandonnés longtemps, chaque fois que tu te vois, tu portes cela, c'est le signe de la régression. Tu dois prier et briser l'esprit de régression au nom de Jésus-Christ. Les habits sales dans le rêve, c'est aussi le signe que la personne vit une vie de désordre, une vie de péché. Quatrième variante, c'est voir dans le rêve que quelqu'un d'autre vole tes habits. C'est le signe de troubles et de problèmes. Cela indique que les sorciers ont volé ta gloire, tes finances, ton mariage, ton progrès. Tu dois prier, jeûner pour récupérer tes habits volés dans le rêve au nom de Jésus. Je parle à toi, ma soeur. Depuis que tu as fait les rêves où on t'a volé les habits, tu te retrouves beaucoup de problèmes dans ton mariage. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Les habits représentent la gloire d'une personne. Les habits représentent ta bénédiction. Quand tu rêves qu'on te vole les habits, c'est mauvais. Tu dois te lever dans la prière pour suivre et récupérer tes habits au nom de Jésus-Christ. Cinquième variante, c'est quand tu remarques dans le rêve que tu as porté un habit qui est taché. Ça peut être taché de sang, ça peut être une tache de saleté, troué, c'est la honte. Les habits tachés, c'est le signe de la honte. Ça veut dire que l'ennemi a préparé la honte et la disgrâce. Tu dois prier contre ces mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une bonne chose de rêver que tu portes des habits qui sont sales, des habits qui sont tachés. Non. Si ça a le signe de ça, c'est troué. D'autres, tu te vois dans la rêve, tu portes les habits troués partout. C'est le signe de la pauvreté, c'est le signe que l'ennemi a planifié la honte. Tu dois prier pour annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ. Sixième variante, quand tu vois dans le rêve quelqu'un d'autre, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être tes amis, tes connaissances, sans permission, porter tes habits, c'est un mauvais signe. C'est le signe que l'ennemi utilise ton étoile pour prospérer, pour recevoir ta gloire et tes bénédictions. C'est le signe qu'on a transféré ce qui est à toi. Tu dois lutter dans la prière, annuler les échanges sataniques au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un bon signe dans les rêves de voir quelqu'un d'autre porter des habits. Ça veut dire qu'il y a eu échange. On a pris ta gloire, on t'a donné la maladie. Tu dois prier pour annuler ces mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te restaurer au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a échangé, Dieu va te les rendre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu vois ce genre de rêve, il y aura les regrets et la souffrance. Tu dois prier pour annuler les transferts au nom de Jésus-Christ. Septième variante, quand tu vois dans le rêve que tu es en train de laver tes habits, là c'est un bon signe.
C'est le signe que les bonnes choses sont en route. C'est le signe d'une prochaine visitation de Dieu. Remarquez, Dieu, avant de visiter les enfants d'Israël, il a dit par Moïse, dit au peuple de se laver, de laver leurs habits. Quand tu vois les gens, tu es en train de laver les habits, c'est le signe que Dieu veut te visiter. C'est le signe que Dieu a répondu à tes prières. C'est le signe que bientôt, ta souffrance va prendre fin. Je prophétise par l'onction de Dieu que ta souffrance prendra fin bientôt au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, Dieu est capable de te délivrer et de te libérer des attaques sataniques dans le rêve au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu vois dans les rêves que tu es en train de laver les habits de quelqu'un d'autre, c'est un mauvais signe. C'est le signe de l'esclavage spirituel. C'est le signe qu'on utilise ton étoile, que tu es en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu dois prier pour briser toutes sortes d'esclavages au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, mon Dieu, que tu ne puisses plus travailler envers au nom de Jésus. Huitième signe. Quand tu vois quelqu'un porter dans les rêves, quelqu'un te visiter avec les habits rouges ou noirs, c'est le signe de l'esprit des morts. Tu dois prier, te lever dans la prière, chasser l'esprit des morts loin de toi, loin de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les rouges, c'est le signe des sangs. Je prie, mon Dieu, pas ton sang, pas ta tête au nom de Jésus. Cette année 2018, tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas ton mari au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas ta femme au nom de Jésus. Tout le monde programmé par les sorciers, j'annule cela au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Neuvième variante, quand tu vois dans tes rêves, tu es en train de donner les habits aux gens. Ou on est en train de te donner les habits, c'est un bon signe. C'est le signe de la bénédiction. Cela montre que tu vas recevoir ton miracle. Cela montre que si tu ne dois pas t'arrêter à donner tes habits aux nécessités. Car Christ a dit, j'étais nu. Vous m'avez vêtu. Donc, quand tu vois, tu es en train de recevoir les habits nouveaux, c'est un bon signe. Ou tu es en train de donner les habits aux gens, c'est un bon signe. Deuxième variante, porter les habits mauvais les jours de son mariage. Les habits sales et troués, cela montre que votre mariage est combattu. Ou porter les habits qui ne te conviennent pas, c'est un mauvais signe. Onzième signe, c'est porter dans les rêves les habits multicolores, de plusieurs couleurs. Cela montre que la personne est bénie, la personne a plusieurs bénédictions, que la personne a plusieurs étoiles, comme Joseph dans le rêve. Dans sa vie, son père lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. J'ai prié, mon Dieu, tu ne vas pas perdre ta tunique de plusieurs couleurs au nom de Jésus. Que faire? Première chose, la repentance. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous devez regarder dans votre cœur, fermer les portes ouvertes à l'ennemi, vous repentir de mauvaises vies et abandonner les péchés. Deuxième chose, vous devez vous engager dans le combat spirituel. Bien-aimés, les sorciers et autres sont spécialistes pour faire porter aux gens les mauvais habits, afin de les bloquer, afin de faire venir la malchance, la honte dans leur vie. Vous devez combattre dans la prière, enlever ces mauvais habits, enlever ces revêtements maléfiques au nom de Jésus-Christ. Dans le combat spirituel, vous devez vous dépouiller des mauvais habits. Vous devez prier, jeûner, enlever tous les voiles qu'on a mis. Je parle à Thomas, tu es une belle femme.
Mais tu es voilé. Tu dois enlever ces voiles-là. Enlever ces voiles-là au nom de Jésus-Christ. Je prie, j'enlève les habits de honte, les habits déchirés, les habits sales qu'on me fait porter dans les rêves, au nom puissant de Jésus. J'enlève les habits, les vieux habits, la régression, au nom de Jésus-Christ. Je vois l'habit de souffrance être ôté dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a les habits de prisonniers. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Tu dois te dépouiller des mauvais habits, au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, tu dois invoquer le feu de Dieu pour brûler ces vêtements sataniques au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le feu de Dieu est capable de consumer les malédictions. Le feu de Dieu est capable de consumer toutes mauvaises choses, toutes choses inutiles dans ta vie, toutes choses qui te combat. Le feu de Dieu est capable de consumer cela. La Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Alors que tu t'es dépouillé des vêtements maléfiques, commence à invoquer le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu pour brûler, pour détruire cela. Au nom de Jésus-Christ, je vois les feux de Dieu brûler les vêtements sataniques sur ta vie au nom puissant de Jésus. Les vêtements de souffrance, les vêtements de pauvreté, ça va prendre des feux et brûler au nom de Jésus-Christ. Troisième chose dans le combat spirituel, tu dois lier et chasser le mauvais esprit qui sont entrés à cause de mauvais habits dans le rêve. L'esprit de mort, l'esprit de régression, l'esprit de blocage, de rejet. Tu dois chasser les mauvais esprits, tu dois combattre la prière. Détruis et chasser ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Une autre chose, tu dois récupérer tes habits. Toi qui rêves qu'on t'a volé les habits, tu dois récupérer cela-là. Prier dans les jeûnes, je récupère ma gloire, je récupère mon mariage, je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, c'était le combat spirituel. Troisième chose, tu dois te revêtir de Christ. La Bible dit, porter Christ, porter les habits de justice, pratiquer les bonnes œuvres, donner aux nécessités, donner aux veuves, aux orphelins, pratiquer la justice. C'est ça, c'est revêtir de Christ. La Bible dit, ce jour-là, il nous dira, j'étais affamé, est-ce que tu m'as nourri? J'étais nu, est-ce que tu m'as couvert? Et pour les justes, il dira, chaque fois que tu as fait à l'un des petits, c'est à moi que tu l'as fait. Apprenez à pratiquer les bonnes œuvres. Apprenez à donner pour Dieu, à soutenir les veuves, les orphelins. C'est ça, c'est revêtir des bonnes œuvres. C'est revêtir des fins là, qui sont les bonnes œuvres des justes. Quatrième chose, tu dois prier pour l'accomplissement de bons rêves. Quand tu vois que tu portes de nouveaux habits, tu dois prier le Seigneur. Que ces bons rêves que je vis, de porter de nouvelles habits, les signes de restauration, les signes de faveur, de grâce, que cela se manifeste au nom de Jésus. Quand tu vois que tu es en train de laver les habits, tu dois prier que ça devienne une réalité au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois que tu es en train de recevoir des habits, c'est un bon signe. Quand tu vois que tu es en train de porter les habits, tu dois prier pour ces prophéties, pour qu'il y ait l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui es attaqué par ces rêves sataniques, des habits sales, des habits déchirés, de vieux habits. Je vais prier pour toi. Seigneur, j'amène ton peuple auprès de toi, le Dieu de délivrance. Je viens demander d'abord ta grâce et ta miséricorde dans leur vie. Beaucoup ont ouvert des portes à l'ennemi. Ces portes ont permis au diable et à ses agents de les attaquer, de leur faire porter des habits de disgrâce, des habits de honte, des habits de pauvreté, de souffrance. Oh Dieu, nous venons auprès de toi invoquer ta grâce et ta miséricorde. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur. Par la foi, nous invoquons le sang de Jésus pour la purification de tes enfants. Nous venons fermer toutes les portes que nous avons ouvertes par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous venons enlever les mauvais habits que l'ennemi nous a fait porter. Nous venons nous dépouiller des habits de honte, des habits de célibat, des habits de mort. Nous nous dépouillons de ces habits. Nous nous dépouillons de ces habits au nom puissant de Jésus.
Nous enlevons les habits des prisonniers. Au nom puissant de Jésus. Nous enlevons les habits déchirés, les habits tachés, les habits troués. Nous les enlevons sur nous au nom puissant de Jésus. Nous invoquons maintenant le feu de Dieu. Que tout mauvais habit puisse briller maintenant. Puisse briller par le feu de Dieu. Puisse briller par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je te commande Satan maintenant. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de blocage. Je chasse l'esprit de régression. Je chasse l'esprit de pauvreté, de malchance. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous venons par la foi récupérer nos habits que l'ennemi a volés. Nous récupérons cela. Nous poursuivons et nous récupérons cela de la main des hommes forts, de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'il n'y aura plus le vol de bénédictions dans nos rêves au nom de Jésus. Oh Dieu, nous prions pour que les bons rêves puissent avoir un accomplissement rapide. Bénis ton peuple, Seigneur, que nous avons.